Nous ne sommes pas obligés, monsieur le diplomate, nous ne sommes pas venus vous supplier de déposer notre mémorandum. Nous sommes venus, non pas pour chercher l'appui ici parce que vous êtes chez nous. De votre soutien à un régime génocidaire. Le français n'a eu de cesse à soutenir un pays accidentellement par le fond. Vous avez intérêt à faire profit par devant nous. À la tête de l'ONU, il est anormal que nous soyons le plus grand pays francophone du monde et que le Rwanda, qui n'est francophone qu'accidentellement, poste-là. Donc voilà en résumé. Soyons disciplinés. Nous sommes des cadres. Vous verrez que ce sont des cadres. Mais on n'a pas besoin de voyous là-bas. Est-ce qu'on s'est compris? Comportez-vous en responsable. Répondez au mot d'ordre de vos dirigeants, de vos chefs. Nous allons nous diriger. L'ambassade de France est derrière vous, dans la discipline. Quand nous sommes arrivés, il y a une équipe qui nous attend vers l'Anneji. Nous allons la récupérer pour faire notre incursion dans l'ambassade rwandaise. Donc nous allons prendre la suite. Excusez-moi. Donc c'est dans quelques minutes que ça va. Quand on arrive, il se peut que tout le monde n'entre pas. Nous prendrons juste une petite délégation pour discuter avec l'ambassadeur. Ce sera là. Donc voilà, je vous remercie. Merci. Bon, on y va. Ça va, la carte. Ça va, on se voit tous à Planète Vie, là. Ça va, deux minutes. 5 minutes, on fait jonction, là. On fait jonction, là. Ça va?
Joseph. Eric, vas-y donc. Eric. Colomba! 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 One
papime la bomemo bawane jamba pime la bomemo o ganani jamba pime la bomemo bawane jamba pime la bomemo o ganani jamba pime la bomemo o bawane jamba pime la bomemo Thank you.
le Toyo Kaene. Comment la session de là, s'il vous plaît. Comment la session de là. Comment la session de là. C'est là pour la session. Les militants derrière. Pour le CG. C'est derrière, s'il vous plaît. On nous donne le pouvoir. On nous donne le pouvoir. C'est derrière. D'accord, nous sommes venus la presse attendait là-bas, attendez, évitez les dérangements. Ok, oh, évitez. Papa, bon, les sabatiers. Camarades, Dipo Viva, Viva, Dipo Viva, Viva. Nous sommes venus à l'ambassade de France, à Kinshasa, pour déposer notre mémorandum, le mémorandum de l'opposition républicaine, qui est adressé à M. le Président Emmanuel Macron. En résumé, l'opposition politique congolaise d'abord regrette qu'il n'y ait pas eu l'organisation possible pour recevoir l'équipe dirigeante. Nous sommes venus rencontrer l'ambassadeur, mais là, on nous reçoit au portail. Et ça, c'est une preuve patente du mépris du peuple français vis-à-vis du peuple congolais. Nous sommes donc nous ne sommes pas obligés, monsieur le diplomate, nous ne sommes pas venus vous supplier pour déposer notre mémorandum. Nous sommes venus non pas pour chercher l'abri ici parce que nous sommes chez nous. Nous n'avons pas du tout peur de vous. Nous sommes fatigués de votre complicité. Nous sommes fatigués de votre soutien à un régime génocidaire. Le français n'a eu de cesse à soutenir un pays accidentellement francophone. Vous avez intérêt à faire profit pas devant nous. Et donc, si vous voulez nous menacer, nous allons mobiliser nos militants, nous allons les appeler encore davantage et nous dormirons ici. Et donc, lorsque les
l'équipe dirigeante de l'opposition républicaine arrive, le minimum, c'est de pouvoir la résoudre. Vous voyez, je suis là. Donc, vous nous recevez debout, dehors. Parce que vous et donc, il est de notre droit. Il est de notre vous droit. Pas demandé c'est une manifestation publique. Certes, voilà. Vous n'avez pas demandé. Et donc, nous sommes. Et donc, c'est une déception. Mais au-delà de cette déception, nous voulions vous remettre ces mémorandums. Et nous espérons vivement qu'il parviendra au destinataire. À qui de droit? En résumé, voici notre mémorandum. Notre mémorandum se résume en ceci. Notre protestation contre le soutien de la France au gouvernement génocidaire du Rwanda. Le peuple congolais note la triste volonté de la France d'exterminer le peuple congolais. Je vous en prie. Vous m'avez donné le mémorandum. Pourquoi sans vous? Je vous en prie. Vous pouvez partir. Il n'y a pas de problème. Il y a honte de la complicité. Il y a honte de la complicité. Kagame, attends. À la particulière attention de monsieur le président de la République française, Emmanuel Macron. En résumé, ces mémorandums résument la position du peuple congolais contre la reconduction de la Rwandaise Louise Mushikiwabo à la francophonie. Comme vous le savez, la RDC est le premier pays francophone du monde. Mais malheureusement, elle n'a jamais occupé le poste de secrétaire général de la francophonie. La France vient une fois de plus de reconduire la Rwandaise Louise Mushikiwabo, alors qu'aujourd'hui, on le sait bien que le Rwanda a basculé vers Commonwealth. Et que donc, c'est l'anglais qui est maintenant enseigné au Rwanda. Mais nous qui avons opté pour le français comme langue officielle, nous faisons l'objet d'un mépris criant de la part du gouvernement français. Et nous voudrions dénoncer ça de la plus forte manière. Deuxièmement, c'est le lobby, c'est le plaidoyer que la France, que le président Macron a déployé en faveur de l'armée rwandaise au sein de l'Union européenne, lequel plaidoyer a débouché sur l'allocation à l'armée rwandaise par l'Union européenne de près de la rupture des relations diplomatiques entre la RDC et la France. Voilà en résumé la substance de ce que constitue le mémorandum que nous avons ce jour adressé au président Emmanuel Macron et que nous sommes venus officiellement déposer à l'ambassade de France ici en RDC. Merci beaucoup. Kagame, assassin, Macron, mon fils. 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 Kagame, assassin.
Assassin, Marco, 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 Assassin, Marco,